Please stand clear of the door. All aboard. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du côté du parc Disney's Animal Kingdom. On dirait que je pars jamais assez de temps du côté d'Animal Kingdom, fait qu'aujourd'hui, je voulais venir avec vous dans le parc pour vous montrer les différentes offres de divertissement qui sont proposées, les différents spectacles. Mais avant de partir dans cette aventure épique, je tiens à vous préciser que je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal, donc pour un voyage du côté du Walt Disney World Resort en Floride, de Disneyland en Californie, sur une croisière avec la Disney Cruise Line ou dans les parcs Universal, ben, vous pouvez me contacter au maxime@commercialvoyageenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec la planification de votre séjour, la réservation de votre hôtel, de vos restaurants, de vos parcs thématiques et plus encore. J'ai plein de conseils et de trucs ou de secrets à vous partager. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Donc, parmi les nombreux spectacles à Animal Kingdom, on commence aujourd'hui avec un qui se retrouve dans Dinoland USA, Finding Nemo de Big Blue and Beyond. Puis aujourd'hui, je ne suis pas seul, il y a mon frère qui fait aussi partie de l'aventure. Bonjour! Donc, il se joint à moi pour qu'on puisse avoir bien du plaisir à découvrir tout le divertissement d'Animal Kingdom. Dinoland USA, c'est par là. Bon, là, la question que vous devez vous poser, c'est que c'est que Nemo a rapport à Dinoland USA? Est-ce que tu as une réponse pour ça? À la base, les poissons sont plus vieux dans l'histoire de l'évolution. De l'évolution de Darwin, exactement, que les dinosaures sont arrivés après. Fait que si finalement les poissons sont plus vieux que les dinosaures, on pourrait appeler ça Fish USA. Fishland USA. Fishland USA. Et voilà, vous avez la réponse. Non, en fait, je pense qu'il n'y a pas de lien. Ils ont juste plugué un show à cet endroit-là. Il n'y avait pas un show de Tarzan ici, il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Ben, ça fait quand même un bout, là, mais oui. Fait que vous voyez, ça n'a pas rapport. Fait que c'est ici, dans le Theater in the Wild, que va se retrouver le spectacle. Fait, il va être à 1h, fait que là, on a encore quelques minutes à attendre, mais ça va être une bonne production, j'ai l'impression. Let us all sign the pledge. Fish are friends. Fish are friends. Fish are friends. Not food. Stop, please.
my son. C'est tout le temps un super bon spectacle, ce show-là. Là. De, c'est, ça dure à peu près 25 minutes, puis là, on se fait raconter l'histoire de Trouver Nemo avec des marionnettes, de la musique entraînante. Là, pour vrai, je vous recommande d'aller le voir. Là. Moi, à chaque fois que je viens à Animal Kingdom, c'est tout le temps un classique. Là. Il faut tout le temps que je passe par ce beau spectacle-là. C'est intéressant de voir quand même qu'ils ont pu prendre un film sans aucune musique et en faire un comédie musicale. C'est vraiment très bien réalisé. Chapeau. Je sais pas pour vous, là, mais moi, ça m'a donné le goût d'aller manger un fish and chip. Même deux jours dans le divertissement d'Animal Kingdom, quelque chose à ne pas manquer, c'est les différentes flottillas avec les nombreux personnages que vous pouvez voir passer sur l'eau. On poursuit notre petite promenade d'Animal Kingdom, puis cette fois-ci, on s'en va du côté de l'Asie. Regardez, il y a le mont Everest qui se révèle à nous. La raison pourquoi est-ce qu'on s'avance dans cette portion du parc, c'est pour aller voir la nature en action. Parce qu'après tout, on est du côté d'Animal Kingdom, on peut voir des vrais animaux interagir dans un spectacle. Mais juste avant, on s'arrête pour écouter de la musique asiatique. Des instruments qu'on n'est pas habitué, ça. C'est le fun. Ça apporte une ambiance au parc. Mais là où est-ce qu'on s'en allait, c'est au spectacle Better Friends in Flight, où est-ce qu'on va pouvoir voir plusieurs oiseaux. On va pouvoir en apprendre davantage sur toutes leurs différentes capacités qu'ils ont. Il risque de nous divertir, de nous faire bien rire, j'ai l'impression. Il a de l'affaire, cet oiseau-là. Hein? La plupart des humains ne sont même pas capables de faire ça. He's scanning. He's like, where's the dollar? Is it down here? No, that's a piece of apple that Josh dropped. Okay, we're flying out. Straight to the arm. Steals the dollar. Nice. Show him where the money goes. In my pockets. Nice. Which is awesome. And I hope you have a magical day. All those adaptations together, you have truly one of the best ambush predators in the entire animal kingdom. You are awesome, my friend. That's Oliver, our Milky Eagle Owl. He's a nice guy. I want to make sure this microphone is on real quick. And then Groucho, I was hoping maybe you could say hello. Hello! Pretty cool, right? That's mimicry. It's like when I... Of that, they're like nature's recyclers in a gross but pretty stinking awesome way. Yeah, well said. Nature's recyclers, and our friendly reminder that if we all recycled in our own way, the world would be a much, much cleaner place, right? Would be. And now, at maximum speed and power, we've teamed up with an awesome organization called the World Parrot Trust, and they hope to reestablish the numbers of these beautiful birds out in nature through a breeding program. But they release more to join up with their wild counterparts in hopes that one day we'll get to see skies filled with blue-throated macaws. And you know what? That would be an incredible sight to see, right? And it doesn't even end there. There are so many other birds you can go out and learn about that all have their own unique and incredible stories. Like any of the birds you've seen here, and maybe a few more. Like our little topo toucan. His name is Bruno, so we don't talk about him. But no matter what it is, whether it's the blue-throated macaw, the bald eagle... Ouais, ce spectacle-là, je l'aime bien gros. T'sais, oui, c'est un peu comique, mais ce que j'aime, c'est surtout la morale qui dit qu'on a tous et chacun la possibilité de sauver différentes espèces d'oiseaux dans tous les gestes qu'on fait à tous les jours en faveur de l'environnement. En tout cas, c'est quand même un beau message qui est véhiculé dans le spectacle. Je vous invite là, à aller le visiter, à aller voir ce spectacle-là qui se retrouve dans le l'Aine de l'Asie. Je commence à avoir faim, moi.
On mangerait bien un club sandwich. Alors, pour rebondir sur ce que mon frère vient de dire, un premier geste que vous pouvez faire en faveur de l'environnement, c'est de réduire votre consommation de viande. Parce que ça a un impact assez monumental sur l'environnement. Ça demande beaucoup d'eau. Puis même, bon, il y a aussi le volet des conditions animales là, qui peut être discuté. Mais si vous dites, OK, une journée par semaine, on mange végétarien, ou si un repas par jour, par exemple, vous dites, OK, ça va être sans viande, mais c'est déjà un très bon début pour sauver la planète dans laquelle on vit. Et d'autres divertissements qu'on peut trouver à Animal Kingdom, ça, on fait juste se promener, puis des fois, sur la rivière, on peut voir les drummers de Discovery Island. Pour ajouter l'ambiance partout dans le parc. Tout le temps le fun se promener le Magic Kingdom, on a des beaux paysages sur notre chemin. Tiens, pour manger, on est venu au Flame Tree Barbecue. Puis là, j'essaye le hot dog de végétalien avec comme une espèce de salade de choux, si on veut, là, dedans, avec des petits oignons là, croustillants, caramélisés. Puis avec une portion de frites. Donc, une option 100% végétale. C'est ce que j'ai pris, moi aussi. Ah, c'est bien, ça. Ben, fait que c'est ici, au Flame Tree Barbecue, qu'on est allé manger. Ça se retrouve, là, sur Discovery Island, de proche de l'entrée de Dino Land USA. Donc, vraiment une bonne option. Je peux vous montrer le menu vite fait, là, parce que c'est quand même intéressant, les options. Mais ce qu'on a essayé, là, c'est le Hot Link Smokehouse Sandwich. C'est ça avec saucisse Beyond Meat et Navité et tout ça. Donc voilà. Disney fait quand même des très bonnes options sans viande. Des options à base de plantes. J'ai eu la chance d'en essayer quand même quelques-unes et c'est vraiment excellent. On était sur le party ici, mes amis, là. Toujours à Discovery Island, on a des musiciens dont j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est tout dans le party ici sur Discovery Island. Fait que de quoi faire participer même toute la famille, les enfants, les parents, tout le monde dansait. Ça se faisait aller à la patte, je vous dis, en tout cas, toujours du bon divertissement. Là, on se dirige du côté de l'Afrique parce qu'on va aller voir le Festival of the Lion King au Harambee Theater. Ça, c'est un classique là, que ça fait des années qu'il existe à Animal Kingdom, que les gens l'apprécient toujours. À la base, ça se devait être un spectacle temporaire au camp Minnie Mickey, mais ça s'est répandu, ça a continué au fil du temps. Puis, je pense que ça veut dire que c'est un succès. Temporaire depuis 1998. Oui, ça commence à faire beaucoup. Oui, mais c'est quand même un spectacle temporaire selon ce qui était dit au départ. Mais non, maintenant c'est rendu là, permanent. Là. Ne vous en faites pas, il va être là pendant votre voyage, fort probablement. À moins que vous écoutez cette vidéo en 2050, à ce moment-là, je peux rien vous garantir. Mais vous comprenez le concept, j'ai l'impression. Des fois, j'ai l'impression qu'on en fait trop. Alors, c'est ici, au Harambee Theater. Le seul petit élément à prendre en compte avec ce spectacle-là, c'est que il y a tout le temps une ligne quand même assez grande étant donné sa popularité, ce qui fait en sorte que vous n'avez pas vraiment le choix de vous prendre un peu d'avance. Vous ne pouvez pas arriver dernière minute à arriver là. Mais des fois, ça peut marcher pour les représentations plus tard en soirée. Mais si vous voulez le voir, arrivez à un 15-20 minutes d'avance ou des fois plus selon la saison. Mais c'est ça pour vous garantir une place dans le théâtre. T'as chance que tu es là pour conseiller les gens. Mais oui, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Alors pour votre prochain séjour, n'hésitez pas à me contacter au Maxime à commercial voyageenchanté.com. We're
belle célébration, ça, avec les musiques classiques du film du Roi Lion, les acrobates. En tout cas, vous avez vu les images, c'est tout le temps super beau, ce spectacle-là. C'est, en tout cas, moi, je le recommande à tous, c'est familial, beaucoup de bonne musique. Qu'en pensez-vous? Quand on parle du Roi Lion, c'est toujours bon. Et voilà. Il y a un arbre de la vie là-bas. L'histoire de la vie. Voyons, il fait bien noir d'un coup. C'est parce qu'on est de retour à Discovery Island pour regarder les animations du soir sur le Tree of Life. On a vraiment eu beaucoup de plaisir aujourd'hui à Animal Kingdom. On a découvert plein de spectacles ensemble. On s'est promené, on a vu des beaux paysages, des animaux, beaucoup d'oiseaux. C'était super le fun. Donc on se retrouve vraiment très bientôt dans une prochaine vidéo. Ça va être la semaine prochaine. On n'oublie pas, je fais une vidéo par semaine. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, Maxime WDW. Donc faites juste sur le petit bouton rouge, s'abonner, puis ça l'aide à faire grandir la chaîne simplement. Donc on se retrouve vraiment très bientôt. Salut tout le monde! Je suis content d'avoir passé du temps avec toi. J'ai été diverti.